Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau concept que j'ai créé pour ma chaîne Twitch, mais que je mets maintenant en podcast et sur YouTube, car j'ai trouvé l'émission plutôt intéressante, enfin c'est plutôt vous qui allez me le dire. Ça s'appelle Bad News, rions avec la mort, puisqu'on va parler de la mort, on va aller rencontrer des gens qui travaillent dans la mort, sur la mort, avec la mort, et on va avoir quelques anecdotes sur le métier. Donc ça va être entre du bad news, c'est-à-dire de l'anecdote drôle, et en même temps de l'info sur comment enterrer quelqu'un, pourquoi on enterre les personnes comme ça, etc., etc., etc. Voilà, je vais essayer de faire cette émission toutes les semaines sur Twitch, c'est le dimanche à 19h30, et de temps en temps, je mettrai l'émission sur YouTube et en podcast. Abonnez-vous, la cloche, tout ça, tout ça. Commençons tout de suite avec la première émission où je reçois Joker, qui est pompe funèbre. Moi, à la base, donc, j'ai commencé en tant que porteur-chauffeur. Alors, porteur-chauffeur, pour expliquer aux gens, c'est que tu portais le cercueil et t'emmenais le cercueil au cimetière. C'est ça, ça part de la préparation du cercueil, donc capiton, pose de poignet, plaque d'identification, et ça va jusqu'à au cours de la cérémonie, porter le cercueil, le transporter avec le véhicule, procéder à toute la cérémonie jusqu'à l'inhumation, crémation, le pêcheur. Alors attends, les gens me disent qu'ils t'entendent pas complètement, donc je vais essayer de monter le son dans l'autre logiciel. Toi, tu as commencé comme porteur, voilà, est-ce que tu as fait des oraisons? Des oraisons. Est-ce que tu as lu des trucs pour les gens? Parce que des fois, on demande aux porteurs, quand la famille veut pas, oui, de lire des poèmes, des conneries comme ça. C'est ça, ça peut arriver, oui, des fois. Alors moi, ça m'est pas arrivé en tant que porteur-chauffeur, ça m'est plus arrivé plus tard quand j'ai passé mes formations de cérémonie. D'accord, là, ok. Beaucoup plus en contact avec la famille pour gérer tout ça. Il y a des formations de cérémonie? Oui. Enfin, nous, au sein de notre entreprise, c'est ça. Donc, il y a des formations obligatoires pour certains métiers. Mais attends, ça m'intéresse. Forcément, ça m'intéresse. Qu'est-ce que c'est ta formation? Alors, pour la formation de base des porteurs-chauffeurs, c'est une formation juste initiale, on va dire, de 16 heures. C'est une formation ridicule. Ouais. C'est vraiment comment les gestes et postures, si tu préfères. Ah, donc, on te dit pas, par exemple, disent pas « Bonjour, comment ça va ?» pour commencer. Par exemple. Ça peut arriver. Ça peut arriver qu'on te dise bon, tu vaut mieux privilégier un signe de tête plutôt qu'un bonjour avec un grand sourire. Mais moi... Même si le sourire, ça passe toujours avec les familles. Même. Ouais, bien sûr, bien sûr. Moi, je me rappelle être rentré chez un croque-mort avec ma BD La Petite Mort. En fait, je cherchais un cercueil pour faire des photos de La Petite Mort dans un cercueil de l'album. Et la personne qui en est rentrée, j'ai bien vu qu'elle avait fait très attention à pas dire bonjour. Tu vois, la personne nous a souri, effectivement. Elle a fait un signe de tête. Elle a fait « Je peux vous aider ?» Et là, je me suis dit « Ah oui, il y a la formation quoi derrière. » C'est pas... Ouais, il y a une formation c'est derrière. Il y a des manières, il y a des phrases à accroche, quoi, on va dire. Des phrases à accroche. Bah oui, c'est malheureux. Bah oui, mais on est dans le marketing de la mort un petit peu. En tout cas, vous faites tout pour pas augmenter le chagrin. Ouais, augmenter le chagrin des gens. D'être le plus neutre possible, d'éviter de choquer, parce que des fois, une tournure de phrase peut rappeler beaucoup de choses. Donc voilà, bien c'est sûr. Vraiment des formules basiques, si je puis dire, hein, même si ce n'est pas du tout le cas. Tu as commencé comme chauffeur porteur. Donc si tu dis que tu as commencé comme ça, ça veut dire que tu as évolué au sein de l'entreprise de la mort. C'est ça, l'entreprise dans laquelle je travaille. Donc moi, ça fait 3 ans. J'y travaille, ouais, c'est ça, fin 2017. Ok. Et depuis que j'ai embauché chez eux, donc j'ai passé donc la formation des 16 heures, ça c'est à l'embauche, de toute façon c'est obligatoire. Ouais. Et ensuite je suis passé agent de crématorium échelon 1. Attends. Il y a des échelons chez le crématorium. Oui, c'est un peu, si tu veux, comme les ouvriers qualifiés, ouvriers. Ça, c'est des classifications au niveau des... Donc ça veut dire que t'as pas le droit d'enfourner des enfants dans... Pardon. Au début, tu fais que les personnes âgées. Il y a un grade, un non, truc. C'est plus dans l'utilisation des appareils et des logiciels. D'accord. Attends, des logiciels? Oui, parce que... C'est toi qui passes les musiques?
Bah oui, du coup, quand tu es dans une cérémonie pour un crématorium, oui, tu passes les musiques. Alors, vous êtes quoi? Vous êtes sur Deezer? Vous êtes sur Deezer ou Non, on a une tablette à laquelle tu peux te connecter donc en classique en clé USB ou via PC avec les câbles. D'accord, ok. On peut aussi en Bluetooth avec les téléphones, donc du coup, on peut prendre n'importe quelle plateforme pour passer ses musiques. Même les D'accord, ok. familles. Donc attends, donc Vraiment. ta formation, c'est savoir te servir donc du truc pour De passer la l'appareil de musique préparation, et du voilà, truc pour cramer des gens en quelques minutes. en quelques minutes, ouais, en 1 heure et demie, 2 heures. Ouais, il faut que ça cuise quoi. Donc C'est le... c'est donc échelon 1, t'as le droit de faire quoi? Et Donc, qu'est-ce que t'as le échelon droit 1, de faire en échelon 2? alors échelon 1, c'est plus dans la manipulation des appareils, donc des fours, des remises de l'urne et tout ça, si tu veux, de la comment du conditionnement de l'urne. Ah, c'est-à-dire que c'est toi qui Et elle vas est plus donner dans les l'esprit. cendres à la famille et t'as Alors aussi qu'elle est plus dans la des tricks technique, pour donner sans faire mal, quoi. voilà. Sans faire mal, sans surprendre aussi. Voilà, parce que bah, tu passes d'un cercueil quand même qui fait 1 m 80, ouais, 1 m 80 en moyenne, Ouais. et tu leur ramènes une urne qui fait à peine 30-35 cm de haut. Dis donc, hey, je vous ai fait 2 urnes parce que mamie, dis donc, on a de quoi remplir, hein. Alors, on le fait pas, ça. Tu peux pas diviser. C'est pareil. Il y a des législations dans tout ça. Bah, ça, avec les thanatos avec qui tu as pu Ouais, parler, non, je c'est sais, je pas mal, sais. ça, ouais. Mais on va Et au niveau des cendres, tout ne auquel rentre mais pas dans une urne, on est d'accord. alors, ben, on a des urnes spécifiques au cas où ça arrive. Ça peut arriver qu'il y ait plus de cendres que du contenant. Ah ouais, Et nous, on a donc. des urnes spécifiques, une urne en carton, qui est plus grande que la moyenne, et du coup, au moins, on peut mettre toutes les cendres dans un seul contenant Attends, pour attends, attends, éviter la attends, attends. division des cendres. Et alors, attends. Donc des personnes plus grosses, on va dire. Alors, plus grosse, pas forcément. Ça peut être plus grosse ou plus grande aussi, Ah, la parce que la taille. masse osseuse, oui, la graisse en elle-même, pardonnez-moi l'expression, hein, mais une fois que c'est Ça passé au fond, four, ça bah, ça fond. fond. Alors, Voilà. moi, je Après, tiens c'est dans une plus urne dur. classique, alors. Toi, de ce que je me souviens, oui, à peu près, t'es à peu près aussi grand que moi, donc oui, dans une urne classique, c'est bon, on tient, y a Ouais, pas de souci. ça va, super. Ouais, ça Ouf, passe. pas de problème, maman, pas de problème, la famille. Voilà, c'est bon. Il y aura pas. Et vous faites payer un truc en plus quand les gens débordent ou pas? Alors, ça dépend de comment est géré un crématorium. Chaque crématorium se gère différemment. Ah Nous, ouais. on le fait pas, mais il y en a qui peuvent, parce que c'est une taxe que tu payes, il y en a certains qui peuvent mettre une taxe un peu plus supérieure pour une Alors. charge On supérieure. va, on va, on va le dire tout de suite, j'en ai parlé dans ma BD, y a des gens qui travaillent dans le milieu de la mort qui abusent et qui profitent du chagrin des gens pour Oui. augmenter les prix. On est d'accord. Malheureusement, il y en a, complètement. Tu peux faire des choses simples et efficaces pour techniquement une cérémonie à l'heure actuelle, peu importe toute pompe confondue, hein, mais il y en a qui se font des grosses marges alors que ça peut revenir simple au double. Je veux dire. Ouais, faites très Mais attention malheureusement, si faut vous bien se avez. renseigner, il faut Oui. bien aller voir plusieurs pompes funèbres, faire des devis, c'est malheureux, hein. Ouais, ouais, Alors, des ouais. moments comme ça, Mais t'as pas on s'en envie, en fait, t'as pas envie de faire des T'as pas devis dans des envie, moments t'as comme envie ça. de faire ça au plus vite, C'est au pour ça qu'il y a mieux. des croque-morts qui en profitent. Et attention, le week-end, le prix ne double pas le week-end. Attention. Et beaucoup de il y a des croque-morts qui jouent aussi sur le fait que c'est le week-end pour augmenter les prix. Les prix peuvent augmenter. Mais c'est pas du simple au double. Voilà. Non, non, faut pas le voir comme ça. C'est une prestation quand on en Tout à parle le fait. week-end. Ouais. Ouais. C'est pas du tout. Alors, il y a une question de Jess qui sera peut-être une invitée la semaine prochaine dans l'émission. Est-ce que tu as fait les requis avant de faire de la crémation? Alors, ben, justement, quand j'étais porteur-chauffeur, donc tu fais aussi des astreintes pendant ce moment-là. C'est des astreintes d'une semaine, deux D'accord. jours et demi. Et pendant ces astreintes, oui, tu fais des reikis. Donc les reikis, pour ceux qui voient pas Moi, ce je que sais pas c'est ce que les c'est. réquisitions. C'est C'est les quoi? réquisitions. C'est une réquisition. C'est l'appel de la police au lieu d'avoir un membre de la famille. Là, c'est la police, la gendarmerie, enfin une autorité qui t'appelle, même un maire. Parce qu'il y a découverte de corps dans un domicile, parce qu'il y a un accident, parce qu'il y a un noyé. Donc Ouais. c'est une réquisition. D'accord, c'est ce que mon père faisait alors.
quand Oui, il du est. coup, ouais, il sort son Ce que j'avais matelas, je raconté crois. la dernière fois, ouais. Ouais, Je crois que ça en fait partie. C'est la suite de nous, on passe d'abord, et après, ben, ton père, pour changer, nettoyer, tout ce qui s'ensuit, il ok. Ouais. passait derrière. Ok. Il y a Émilie Et... qui nous demande, est-ce qu'on a le droit de mettre ou de pas mettre dans un cercueil avant qu'il ne brûle? Qu'est-ce qu'on a le droit de mettre ou de ne pas mettre? Genre comme souvenir qu'on voudrait que le mort emporte avec lui. Alors, ce qu'on a le droit de mettre, à peu près tout. C'est simple, hein. Ce qu'on n'a pas le droit de mettre, c'est enfin, ce qu'on ne conseille pas. Après, c'est plus suivant les appareils. L'enfant de Déjà. la personne qui est encore vivant, par exemple. Ça, on conseille pas. Non, non, c'est mieux, on les Ouais, sépare. ok. Par exemple, bah, tu le disais la semaine dernière, les pacemakers. Ah ben, ça, bien sûr, mais ça, c'est pas un souvenir. Après, des piles, les cigarettes électroniques. Ah ben Il y a une oui. la Il y a une cigarette électronique. batterie, tout ce qui a une batterie, quoi. Voilà, la Moi, par clope. exemple, faut pas m'enterrer avec mon iPhone, même si j'aurais kiffé l'avoir, quoi. Ah bah il va péter, ce sera moins important, ça fera pas de dégâts au four. D'accord. Mais ça fera boum, quoi. Mais ça fera un boom, ça peut surprendre nous quand on passe à côté pour contrôler. Un boom, des fois, ça nous fait bien sursauter. Il y a Shinjo Iji qui dit, est-ce qu'on peut mettre son bulletin de notes? Oui, ça brûle bien en plus. Est-ce qu'on Après, peut mettre... tu Mais... peux le laisser papy avant qu'il parte, hein, au moins comme Ouais. ça. Les canaris, même les perroquets, hein, comme dans Le Perroquet et l'OVNI, je sais pas si vous avez vu ce truc de... Ce reportage de... Sur... Putain, comment ça s'appelle? Striptease. La meuf, elle a voulu mourir avec son perroquet. Il y a... Attends, quand tu te fais cramer, attends, il y avait un truc qui mettait... Le truc qu'on peut mettre... Oui, il y a une période de l'histoire où on pouvait, quand tu mourais, ta femme était... on la mettait Regarde, dans... les Anglais débarquent! Merci, merci, Kobéfé, pour le raid de 11 personnes. Merci, merci, Kobéfé, merci beaucoup. Merci bien. On pouvait, on peut, on enterrait ta femme avec toi, mais ça c'était une autre Les époque. abonnés, c'est des connards! Merci pour Salut l'abonnement. Louis, Et salut du tout le coup, pour monde! bah, finir de répondre à Amélie, donc ce Ouais. que t'as pas le droit aussi, c'est les cadres en verre. Évitez le verre dans les cercueils. Que tu fais brûler? Quand c'est une crémation? Parce que le verre explose? Allô? Oui, tu m'entends pas? Allô? Ah merde. Merde, je l'ai perdu. Ah, là, ça y est, Ça y c'est bon. est. Le C'est bon, je suis de verre retour. explose? Alors, c'est pas qu'il explose, c'est qu'il fond, lui, par contre. Ah, ils font. Et Ah, ok. bah, t'imagines comme une flaque de plastique. Ça, Ah, du ok. coup, ça Ouais, bien beaucoup. sûr, bien sûr. Et qui refroidit. Et ça abîme beaucoup le four, ça, par contre. Ah C'est ouais. pas des. Et puis c'est des fours qui coûtent cher. Alors attends, il y a des gens, il y a 11 personnes qui sont arrivées, donc j'explique un petit peu, les gens doivent se dire, mais de quoi on parle? Oui. Bonsoir, bienvenue. Donc ce soir, nous parlons de la mort, nous rions de la mort, mais nous ne moquons pas des morts. On lit un livre qui s'appelle Mes sincères condoléances de temps en temps, et en même temps, j'interview un croque-mort. Ce soir, c'est... Joker, on l'appelle Joker. Moi, je veux pas donner de nom et je veux pas de vidéo parce que bah, c'est des métiers quand même où bah, ça serait con que quelqu'un dans le chat te reconnaisse et se dise, ok, là, il parle de mon grand-père qui est mort devant la télé et je suis très triste. Voilà. Donc ça, on va éviter ce genre de choses. On va garder un minimum d'anonymat. Je voulais raconter un autre truc aussi quand vous avez demandé ce qu'on a le droit de mettre ou pas dans les cercueils. Dans ma BD Davy Mourier versus la mort, j'ai raconté une histoire, d'ailleurs, qui est réellement arrivée, où un grand-père devait se faire enterrer. Pas crémation ce coup-là, mais enterrement classique, donc mise en terre. Et quand la personne a dû aller en terre, la famille a dit « Attendez, attendez, attendez! Laissez-nous un peu de temps! » Non mais monsieur, normalement c'est cet après-midi. Non, 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 c'est demain, demain, s'il vous plaît, demain. Ok, mais on est obligé de tout changer, tout ça. Oui, mais s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et en fait, il voulait avoir le temps de déterrer le chien du monsieur qui était mort 2 ans auparavant pour pouvoir l'enterrer avec lui. Voilà. Bref, ma mère a posé une question. Qu'est-ce que vous faites des prothèses car la personne est brûlée? Alors maman, moi je peux commencer à répondre. La prothèse ne brûle pas, de toute façon. Donc, bah, la prothèse est mise de côté, mais normalement, elle n'est pas remise à la famille. Voilà. Tout à fait.
Parce que ça serait un peu dégueulasse de livrer une urne avec le bout de la jambe de la personne à côté, en disant voilà, bah ça fond pas, alors vous pouvez peut-être l'utiliser pour vos volets. Toi, tu as déjà eu des cas avec des bébés aussi? Oui, Ouais. malheureusement, au crématorium, on fait de tout, et que ce soit papy, mamie, mais aussi bébé, enfant. Là, on est d'accord que c'est vraiment le pire moment pour, dans votre métier, quoi. C'est ça, c'est là où il faut que tu aies vraiment une barrière psychologique qui tienne, Parce que moi, quand j'ai fait mon stage, j'ai eu énormément de chance parce que j'ai eu que des personnes décédées de plus de 50 ans, voire même 70, 80 ans. Et donc, c'est vrai qu'il y a un truc dans ta tête. naturel des choses, Ouais, il y a un truc naturel, ouais, effectivement. C'est vrai c'est ça. que j'aurais commencé, le premier corps que j'aurais vu traiter pour la thanatopraxie, j'aurais commencé avec un enfant ou un bébé. Je pense Oui, que ça me. ça te m'a détendu, Ouais, c'est un peu moins détendu, ouais, ça c'est sûr. ouais, ça, moi, tu vois, c'était un peu mon expérience, mais pour ma première cérémonie, autre chose. C'est le premier cercueil que t'as porté? Alors, pas le premier cercueil que j'ai porté, mais la première cérémonie auquel j'ai été maître de cérémonie. Donc, celui qui orchestre avec la famille, tout ce que tu souhaites pour la cérémonie. T'as pas dû réussir à te remettre l'ambiance. Ben non, c'est sûr que c'est pas gérable. Et puis après, bon, ça, c'est des choses d'ordre privé, mais il m'est arrivé la même chose quelques temps avant. Du coup, ben, tu te prends, enfin, le matin même. Et tu te prends le boomerang en pleine tronche et tu dois, te dois de faire ton boulot, malgré tout ça. Et question, après toi, le soir, quand tu rentres de ce genre de choses, tu t'arrives à zapper ce truc-là, ou alors c'est un truc Ah non. qui t'accompagne pour trop longtemps? Ah, peut-être pas pour trop longtemps, mais des fois, ça c'est arrivé. Ça dure plusieurs jours, ou des phrases, des actions, si tu veux, comme là, le bébé, ou même des phrases que te disent les gens, ou ma femme, ça pourrait plus témoigner que moi, mais où pendant 2, 3 jours, ben, je lui en reparle parce que ben, ça te touche, ou alors ça Ouais. te choque aussi, Donc, ou alors ben, ça te broie, malheureusement, quand c'est. toi, t'en parles à ta femme, donc elle est soutien psychologique, quoi, en gros. Oui, tout à fait. Ouais. Et puis, je lui parle pas de tout non plus, mais elle envoie. Voilà, Alors, j'ai mon vois soutien assez. personnel aussi, ouais. Ouais. Il y a des gens qui demandent, il y a deux personnes qui disent, tout le monde peut-il faire ce métier? Et quelles études pour devenir croque-mort? Alors, croque-mort, comment lui il l'entend? Est-ce que c'est croque-mort comme moi, donc porteur, chauffeur, agent de crématorium ou maître de cérémonie, ou croque-mort plus comme le vrai terme, donc le thanato? Ouais, exactement. Alors là, elle le dit pas, Milly. Alors pour répondre un C'est peu à normal. Brocoli, je dirais que oui, tout le monde peut faire ce métier, mais Allô, tous les allô. gens. Oui, moi je t'entends toujours. On t'entend toujours. On t'entend toujours. Alors je sais pas. Je vais continuer à parler en attendant que tu puisses m'entendre à nouveau. Tout le monde peut faire ce métier. Il faut juste avoir le cœur bien accroché et le cerveau aussi. En fait, tout se joue sur les nerfs et sur ta capacité à accepter la mort des autres et à gérer ça. Tu m'entends à nouveau? Bon, je suis revenu. Ouais, ok. Voilà, pour rebondir sur ce que tu dis, oui, il faut savoir se détacher de tout ça, oui, Ouais. complètement. C'est. Moi, Pour autre. quand j'ai fait mon stage en thanatopraxie, la thanato attendait que je vomisse ou que je tombe dans les pommes. C'est le premier truc. Je la voyais avec son sourire quand elle m'a présenté le premier corps. Elle s'est dit, il va craquer. Et moi-même, je ne savais pas comment j'allais réagir. Et finalement, j'ai juste eu froid. Voilà, ma réaction physique que j'ai eue, c'est que j'ai eu froid toute la journée. J'arrivais pas à me réchauffer. Mais j'ai rien ressenti d'autre. Par contre, elle me disait qu'il y avait des jeunes qui avaient envie de faire ce métier, qui donc commencent par un stage et sont arrivés et ont vomi ou sont tombés dans les pommes. Et finalement, ils n'ont pas fait ce métier. Alors que eux, ils avaient vraiment, ils pensaient avoir la vocation. Voilà. C'est ça. Moi, j'ai jamais eu l'occasion, ça, Ouais. d'assister à ça. Pourtant, j'en ai Ah, fait quelques années t'as aussi. pas vu des gens tomber dans les pommes Mais le voir tomber dans les pommes ou autre, non. Bon, ça peut arriver. C'est le jeu. Bah Il oui, faut en pouvoir. bien sûr.
Et donc pour la formation, donc thanatopraxie, il y a une vraie formation avec une vraie école. D'ailleurs, il y a des soucis autour de cette école, si mes souvenirs sont bons. Il y a des trucs un petit peu, il y a de la tricherie, des trucs comme ça. Moi, quand j'ai fait mon stage, j'ai cru comprendre qu'ils n'étaient pas contents. Même moi, tous les diplômes de l'année étaient annulés l'année où j'ai fait mon stage. Ils avaient annulé parce qu'il y avait eu malversation. J'ai rien compris sur ce truc-là de où était la triche, qu'est-ce qui se passait. J'avoue, j'ai pas pigé. Toi, t'en sais un peu plus ou pas du Du tout? tout, je me suis jamais penché sur cette formation de thanatopraxie. Ça aurait D'accord. pu me plaire à une époque, mais non, je me suis jamais, donc je pourrais pas te dire, tu vois, En tu tout me l'apprends. cas, la thanatopraxie, il y a une école, un stage. Il y Tu a fais des. d'abord un stage où tu vois pendant 3 jours avec un autre thanato pour voir si t'es solide, si tu. Voilà. Et après, tu suis un autre thanato sur plusieurs mois, je crois. Et après, tu commences le métier toi-même. Mais je crois que c'est une formation qui doit prendre 1 an, 2 ans, un truc comme ça, pour devenir C'est des thanato. études similaires à médecine, hein, donc. Oui, c'est similaire, ouais. Bah, tu vas dans le corps humain, tu ouvres. Merci à tous, on est 170 quasiment. Merci à tous d'être là. Ce soir, on parle de la mort, on rit de la mort, mais on se moque pas des morts, voilà. Avec un Thanato Joker qui est avec nous, qui est un Thanato français. Enfin, pas Thanato, tu es croque-mort. Tu es croque-mort, Voilà. pas Thanato. Et donc, comment on devient croque-mort? Alors, là, je te laisse raconter. Alors, ben, croque-mort, tu peux, t'as pas forcément de schéma classique. Hein. Moi, Ouais. à la base, je viens d'un tout autre corps de métier, donc qui m'a fait découvrir aussi ce métier, mais c'était complètement autre chose. C'est Et je suis quoi? venu. Alors, j'ai été dans la police nationale. Ah Après, oui. je suis passé agent de sécu. Et après, je suis devenu croque-mort en même temps qu'agent de sécu. T'as voulu accompagner les gens À limite, en fin de compte, tiens, comment ça marche après? Ah ouais, c'est ça. Tiens, Ah ben, on se lui, je l'ai fumé et après, où il va? Oh, peut-être pas, non, peut-être pas Non, fumer. Souvent, c'est les accidents. Ah ouais, bah oui. Bah toi, t'es en région. T'étais pas à Paris, Non, non, c'était pas en Donc tu te centre. retrouves souvent avec des accidents de la route, quoi. Ouais. Oui, nous, c'était plus c'est ça, des accidents de la route, Et des découvertes. t'avais fait partie de ces policiers qui parfois sont obligés de suivre un corps avec le thanato, etc. Non, nous, c'était déjà plus officiel. Nous, c'est Ouais, l'OPJ qui d'accord. venait, qui constatait l'identité tant bien. Tant que tu peux, en fait, s'il a des papiers, tout ça. Et après, les pompes funèbres, donc, arrivaient, on scellait la housse. Donc, l'OPJ scellait la housse. Ouais. Et c'était emmené à l'IML ou à l'Institut médico-légal C'est pour quoi faire les. l'IML? Institut Alors, médico-légal. D'accord, ok. ouais, c'est Ah, c'est ça. ça, ouais. Excuse-moi, j'ai vu que les lettres étaient les mêmes que les mots d'après, donc après j'ai pigé. Oui, parce qu'il faut savoir qu'avant, il y avait une loi qui faisait que les policiers étaient obligés d'accompagner le corps jusqu'au thanatopracteur et voir ce que le Thanato faisait pour voir si le Thanato, jusqu'à la mise en bière en fait, jusqu'au moment où on fermait le cercueil, pour voir si le Thanato ne mettait pas de la drogue dans le cercueil ou un autre corps, peut-être, pour cacher un crime. Voilà. Saut de corps, c'est ça. Et ça, par contre, il n'y a plus. Donc maintenant, vous pouvez cacher de la drogue et mettre un autre corps dans le cercueil. C'est plus difficile. Ouais, oui, C'est rien, mais c'est plus difficile, c'est oui. il y a plein de législations, là, comme on disait plus tôt. C'est pareil, s'il n'y a pas de famille, parce que la mise en bière se fait la plupart du temps avec la famille où elle le constate. S'il n'y a pas de famille, il faut que la police soit là quand même. Donc Ouais. il y a toujours du monde au moment du déplacement du corps, si tu. Oui, de Si on toute comprend. façon, oui. Et puis si un corps change de région, il y a des scellés aussi sur le cercueil, si mes souvenirs sont bons. C'est ça. Du Voilà. moment que tu quittes le lieu, alors du départ, donc de la mise en bière ou du lieu de décès, et que tu sors de cette ville, c'est décellé. Il Ouais, c'est faut une ça. pose de scellé sur les cercueils et même sur les urnes. Normalement, il y a une sorte de scellé, mais qui est beaucoup plus discret. Il y a des gens qui demandent pourquoi on dit mise en bière. Je l'avais expliqué, je crois déjà, mais j'ai oublié. Oui, ben, tu l'avais expliqué, en fait, ça vient du terme d'une civière. Ah oui, c'est À l'époque, ça. des fortes maladies comme la peste noire et tout ça, les corps étaient tellement transportés rapidement entre le lieu où ils étaient morts et le lieu où ils étaient enterrés, et on appelait ça la mise en bière, parce que souvent ils le laissaient dessus et ils inhumaient C'est ça, il n'y avait pas le temps, quoi. la civière avec. C'est ça. Mise Malheureusement, en tu n'avais pas civière, comme mise en bière. voilà. C'est. Morgane demande combien de cérémonies en moyenne
en une semaine. C'est énorme, hein, le nombre de gens qui meurent par jour. En crémation. Alors, je vais donner les deux, hein, que ce soit en inhumation ou en crémation. Alors, quand je suis en inhumation... Inhumation, c'est mise en terre, c'est ça ? Voilà, c'est mise en terre, inhumation, c'est ça, c'est la mise sous terre, donc en caveau ou en pleine terre. Et la crémation, donc qui est l'action de brûler. Inhumation, donc on en faisait deux, allez, on va dire en moyenne deux par jour, donc sur cinq jours. Donc ça fait déjà 10, ouais, 10, entre 10 et 12 semaines, cérémonie d'inhumation. C'est pas mal. Et la crémation, on est, alors attends que je calcule, parce que là on vient d'avoir un tout nouveau système, enfin système, organisation, pardon. On est à... pareil. Tu fais les comptes ? Ouais, oui. Oui, c'est facile en fait, c'est que je mémorise les... Parce que nous, on a organisé sous forme de créneau horaire, malheureusement, pour faire les cérémonies. On en fait 8 par jour, pour te dire. Il y a 8 opérateurs funéraires, donc 8 qui viennent chez nous au crématorium. C'est ce que j'ai fait une journée de stage en Thanato, on a fait 6 corps. Ouais, on a préparé 6 personnes en une journée. On a commencé à 6h du matin, on a fini à 20h. Ça ne m'étonne tellement pas. C'est... Et voilà. Et crémation, bah, une quarantaine par semaine. Faut dire que la Terre est surpeuplée, hein, donc bon, à un moment, faut bien partir. Il y a quelqu'un qui dit, alors, Panda Mei Mei dit, moi je comprends pas cette question, donc est-ce que notre cher invité connaît l'affaire Eliane Kabilé, une sombre affaire ? Non du tout. C'est une vanne ? C'est pas une vanne ? Oui, je... Non, après s'il veut s'expliquer, je vois pas du tout Trafic de cadavres et actes de décès. Ah bon, peut-être qu'on en parlera la semaine prochaine, tiens, c'est intéressant. Trafic d'organes en milieu hospitalier. Bon, bah écoute, une affaire intéressante. Je me plongerai dessus pour dimanche prochain, puisque tous les dimanches, juste avant de reprendre la semaine, c'est le stream de la mort. Parce que, histoire d'être bien remis sur ses pieds. D'ailleurs, toi, tu travailles le week-end aussi, des fois, peut-être. Eh ben oui, voilà, c'est ça. Donc, vous avez des astreintes, puisque les gens meurent tous les jours. Ah ben, tous les jours, toute la nuit, n'importe quand. Ouais. Oui, et les gens ils disent, la série Six Feet Under est bien loin de la réalité. Est-elle bien loin de la réalité ? Alors, je pense que dans la série Six Feet Under, c'est très très proche de la réalité, mais il y a beaucoup moins de gens qui meurent dans la série Six Feet Under. Oui. Ils auraient beaucoup moins le temps de baiser ou d'avoir des aventures, je pense. Ils ont plus de temps à faire autre chose qu'à bosser. Ah ben, c'est clair. Mais alors, en fait, c'est fou parce que moi, quand j'ai fait mon... Quand j'ai dédicacé au salon du funéraire à Paris, la série Six Feet Under était dans toutes les bouches. C'est la série des croque-morts. C'est ça. Et pourtant, je l'ai jamais vu. Et tu as tort parce que alors ben, je ne suis pas croque-mort, mais c'est vraiment, hein, sans parler du métier de la mort, c'est une série hyper bien réalisée, hyper intéressante. Ça parle d'amour, ça parle de la vie et de la mort, donc, mais surtout de la vie. C'est une de mes séries préférées, toutes séries télé confondues. Donc ce n'est pas que le fait que ça parle de la mort. Ça parle de tout, en fait. Voilà. Bref, voilà. Je te le conseille. Voilà. Je crois que c'est sur Amazon Prime, en plus. T'as tous les épisodes. Bon. Voilà. Comment organiser les rotations des personnels chez les pompes funèbres ? Jour, nuit, semaine et week-end. Alors, ben nous, pour une semaine, donc c'est une astreinte qui commence le vendredi matin jusqu'au vendredi matin de la semaine d'après. Donc après, c'est suivant les entreprises. Ouais, et nous, sûr. Donc, on est deux en journée. Donc on a un gros secteur, faut bien cibler, c'est que on couvre. Ouais, je vais donner ma région, on s'en rend. De toute façon, ça fixera une idée. On fait la région Charente, Charente-Maritime, Vienne, Deux-Sèvres et un peu de Gironde aussi. Bah, moi j'ai halluciné parce que là où j'ai fait mon stage, c'était en région aussi. On a pris la bagnole, des fois on roulait pendant 40 minutes. C'est une thanatopracteuse volante, donc qui a plusieurs sociétés, on roulait et on allait dans plusieurs régions. C'était ouf. Mais quoi. Oui. Ouais. Non, mais on se balade. Hein. Si on était payé au kilomètre, ah oui. C'est pas à dire. Hein. Mais ah, là, ouais. Est-ce que. Alors, il y a Jamel Binous qui demande, est-ce qu'il y a des périodes de l'année plus chargées que d'autres en dépression, genre les fêtes de fin d'année ? Je pense que oui. Je pense que oui. Mais oui. Oui, oui. C'est pas une légende urbaine, ça. Il y a des,
Il y a des périodes de l'année où les gens ne meurent pas, si je puis dire, et des moments où ils ne font que ça. Comme Alors, les fêtes de fin d'année, où oui, il y a plus de dépression, donc on de suicide, prend plus de etc. suicides ou de d'accidents par l'alcool. Et est-ce que l'été, alors, c'est un moment où les gens meurent plus à cause des accidents de la route? Alors le début, les premières chaleurs, c'est pas vraiment l'été en C'est les lui-même, vieux. Pardon. c'est la transition entre les deux saisons. C'est là où les températures sont le plus variables et est-ce que ça joue dessus ou pas, mais du coup, Bien sûr, elle est ouais, c'est ouais, les transitions de saison, ouais. ah, pendant mes mails dit, est-ce que vous avez plus de boulot autour du 14 février? Non, Non, c'est pas non. C'est une fête encore trop commerciale, pas encore c'est ça. trop ancrée chez les gens, donc tu te dis pas, ah, je suis célibataire, je vais me tuer. Par contre, les fêtes de Noël qui sont là depuis la nuit des temps, je fête Noël tout seul, il y a un truc qui va pas dans ma vie, je vais mettre la tête dans le four plutôt que la Ça. dinde. Voilà. Et quelles sont les périodes où il y a le moins de décès? Alors attends, je suis désolé, j'ai trop envie de faire pipi. Je vais te laisser le stream à toi tout seul. Tu Bon, on leur va essayer de réponds. gérer ça du mieux possible. Allez, je me dépêche. Veuillez m'excuser, j'ai pas l'habitude. Alors, est-ce qu'il y a des périodes, tu disais, les moins où il y a le moins de décès? Du coup, oui, là où il y a. Aussi impressionnant que puissent être les périodes d'hiver où il fait froid, c'est sec. On a des hivers froids, il y a moins de maladies. Panda Maymay nous demande, je sais pas si t'as répondu à cette question, mais je crois pas, de tous les gens morts dont tu t'es occupé, quelle était la cause d'essai numéro 1? Le principal, ah oui, je viens de le voir arriver, d'accord. Voilà. Du coup, C'est la principalement, c'est souvent vieillesse! de vieillesse, des Ouais. arrêts cardiaques, malheureusement, hein, c'est arrêt cardiaque, hein. Ouais. Mais surtout de vieillesse, Bah, c'est malheureusement, franchement, arrêt cardiaque, vieillesse, c'est pas mal. Enfin, je veux dire, oui, quand je dis c'est pas la mort heureusement, la c'est plus dégueulasse, quoi. logiquement, pardon, voilà, mon terme n'est pas bon. Logiquement, vu que c'est un arrêt cardiaque, ça entraîne une mort. Mais oui, c'est la plus belle mort, hein. Ça s'arrête pendant le sommeil ou comme ça. Il y a Qu'est-ce que. Jamel pose une super question. Il dit, comment avez-vous fait face à la pandémie? Est-ce que avec le Covid, vous avez eu plus de morts? Alors, plus de morts, nous, dans ma région où je suis, on a été très peu touchés. Ouais. C'est Il y a Paris des. surtout qui a Voilà, dû galérer. Paris et la zone nord-est. Ouais. Là, il y a malheureusement les pauvres. Voilà, tout cœur avec eux parce que. Ouais. Il y a eu beaucoup de morts là-bas. Mais nous, après, comment on s'est organisé? Ben écoute, il y avait des manières des types d'intervention à modifier, donc le port de combinaisons complètes, de masques spécifiques, de lunettes, sur chaussures, Oui, parce que enfin vraiment vous dans avez les méthodes continué à d'intervention. bosser, bien sûr, quoi. Et oui, malgré qu'on n'en parlait pas aux infos, ça oui, nous on a continué dans l'ombre, comme le métier le veut aussi, hein, on Bah continue. ouais, si la médecine continue, les croque-morts aussi. Ouais. Parce que malheureusement la médecine fait pas tout, donc nous on est Non, derrière pour bah assurer ouais, je crois. le SAV, si je peux dire. Je crois qu'on a bien vu. Ouais. Quel est le décès qui t'a le plus marqué? Alors, le plus marqué, c'est celui un peu que j'expliquais tout à l'heure, où là il a fallu une charge psychologique Ouais, bien sûr. assez Les folle. enfants, c'est le J'ai plus perdu compliqué. voilà, mon enfant le matin, l'après-midi même, on me dit bah, on n'a pas le choix, faut te mettre sur la cérémonie, et c'était un bébé. Ouais, Voilà, c'est ça dur. m'a ouais, bien détendu. Ouais, tu Après, m'étonnes. il y a une autre, une petite mamie, où là c'était plus touchant, émouvant. Ça te met une petite claque, mais c'est la mamie qui enterre papy et qui lui dit bah, ça fait 70 ans qu'on est ensemble, qu'est-ce que je vais faire toute seule? Tu vois, des phrases comme ça. As-tu déjà fait des gens éparpillés, type passer sous un train? Éparpillé. Alors, C'est un mot pas très sous. jeune. Ouais. Éparpillé, oui. Sous un train, non. D'accord. Et Ça, c'était quand. éparpillé, que Ça, ce tu. soit quand je travaillais en police Police, ou c'est actuellement ça. dans les funèbres. Ouais. Ouais, en police, un accident de la voie publique, quelqu'un qui a fait des tonneaux, mais sans ceinture, avec fenêtre ouverte. Ok, il a Imagine été voir. haché, quoi. Il a été Voilà, haché, menu. collectif se mettre en place. Ouais, c'est Et ça. t'es à 5h du mat, donc sortie de boîte, t'es à 5h du mat en train de chercher les morts. Avec les pompiers, c'est ça? Normalement, c'est les pompiers qui vous aident? Voilà, pompiers et police, tu cherches, et puis après, Ouais. Ah. t'as
service de pompe funèbre qui vient prendre le relais une fois que tout tout a été retrouvé. Ouais. C'est pour ça que les gens gueulent sur le RER, parce que les RER bloquent tant que t'as pas retrouvé tous les morceaux de la personne en fait. Et puis c'est long. C'est long. Faut dire le RER avant qu'il s'arrête. Il traîne sur plusieurs kilomètres. Voilà. Hein. Donc le temps de freinage d'un RER, je sais pas combien c'est, mais ça fait une bonne, bon suivi des traces. Puis, trouver une tête, c'est facile, mais va trouver un doigt. Hein, bon, oui. Voilà. Un doigt, un orteil, même une main. Hein. Ouais, accroche-toi. Ouais. Accroche-toi pour trouver une main. Quelle est la cause de décès la plus bizarre que tu aies eue? Bizarre. Bizarre dans la posture dans laquelle a été retrouvée ou je pense, le motif. Peut-être parce que le motif de la mort, nous on les connaît rarement. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Nous on n'a pas lieu. Mais après, ouais, c'est. Si je dois dire bizarre dans la posture, c'est mort sur les toilettes. Pardon. Pardon. Bah oui. Mais oui. Même nous, hein, tu sais, on arrive, on voit ça, on rigole. Hein. Bah oui. Bah le mec, il a poussé trop fort, crise cardiaque. Et voilà, c'est ça. Des fois, ça arrive où le médicament pas pris assez tôt et crise cardiaque. En fait. Donc ouais, plus bizarre, mort sur les chiottes. je trouve que c'est un joli départ. Bon. Ah ben. Au moins tu pars soulagé, oui, c'est sûr. Et il demande donc comment tu restaures des gens éparpillés. Alors toi, tu les restaures pas, toi. C'est le Thanato qui les restaure. C'est ça. Thanato qui le fait, j'ai déjà Et croyez-moi, c'est vraiment c'est de l'artisanal. On n'est pas, on est entre le métier du cinéma et le bricolage. Quand vous enterrez quelqu'un qui est en 1000 morceaux, faut pas regarder à l'intérieur comment ça tient. Hein. Il peut avoir de la bouteille en plastoc pour pouvoir tenir un truc. Il peut y avoir limite des agrafes. Vraiment, on est sur C'est de la maquette. Hein. C'est de la maquette, ouais. C'est de la maquette, c'est vraiment... c'est vraiment... Et puis s'il y a des parties où il y a des bandages, des trucs comme ça, c'était pour que ça tienne. Ouais, vraiment... Est-ce qu'il en a marre d'entendre du Daniel Guichard? Pardon. Il y a certaines chansons où tu satures dans ce métier, oui. Tu les connais par cœur. Bon, allez, le top des chansons qu'on en a marre d'entendre aux enterrements, vas-y. Du Céline Dion. Alors Céline Dion, laquelle? Titanic? Oh, t'as du Titanic, S'il suffisait. Comment elle s'appelle? La chanson, elle parle de sa maman aussi, enfin, ouais. Ok, donc Céline Dion dans le top, ok. Du Kenji, la mama ou... Oh non général, mais non Kenji, la mama en général. Voilà, celle-là. T'as eu du Jul déjà ou pas? Pas du Jul. Le plus que j'ai eu, c'est, bah tiens, il n'y a pas longtemps au crématorium, le monsieur est parti sur la compagnie créole. Quelle chanson? La musique dans la peau. Voilà. Mais comment tu fais pour pas rire? Ça doit être hyper dur. Oui, tout à fait. Quand t'es au cimetière que ça doit arriver, tu te caches derrière la sono. Quand t'es au crématorium, tu sers tout ce que tu peux, en fait. Qu'est-ce que tu peux, tu te retournes, tu regardes le mur ou tu fixes un regard qui pourrait t'accrocher à t'aider à ne pas rire. Mais t'imagines, t'as un truc hyper sérieux, hyper triste, et là, le mec, il balance... Annie Cordy ou Jul, j'aime ton boule, fais-moi un bisou. Et là tu fais genre, oh le choc, tu vois, la chanson là de la compagnie créole, tout le long de la cérémonie c'était très sérieux, l'Ave Maria, un chant des légionnaires parce que monsieur était légionnaire et puis un chant basque. Et puis pour le départ, qu'est-ce que c'est mon popo, nanana. Voilà, donc des fois c'est chaud. Ouais. Ah putain, faut que je pense à ma playlist. Moi. Je chante. Faut que mal, Non, mais t'inquiète, c'est pas ton métier. Faut que je pense à ma playlist. C'est que des trucs où, pour que les gens ils arrivent pas à tenir, que des trucs improbables dans un cimetière, tu vois, pour que les gens ils fassent oh putain le con. Alors il y a Pandé Maymay qui nous dit: une de mes meilleures amies est aide-soignante dans un service de soins palliatifs. Parfois elle me raconte comment ça se passe et elle me dit que pendant sa formation elle avait appris à faire la toilette mortuaire. Comment ça se passe en général la collaboration avec eux?
Bah, de toute façon, c'est eux qui ont le corps. C'est à l'hôpital. Tu m'arrêteras si je me trompe. C'est à l'hôpital où on fait le décès, en fait. On signe les papiers pour dire que la personne est morte à telle heure. Et à partir de ce moment-là, c'est vous qui venez chercher le corps à l'hôpital. C'est bien ça. Mais. Le médecin passe certifie le décès, remplit le bleu, donc tu Oui, vois, le dans le bleu, ouais, bleu, il le est toujours papier, marqué bleu, ouais. donc le certificat de décès. Et on nous appelle pour intervenir. Mais entre-temps, après, je pense que c'est ce que tu allais dire, entre-temps, certaines aides-soignantes sont habilitées, donc la personne du chat, ça devait être ça. Certaines personnes sont habilitées à effectuer une toilette. Donc c'est une première toilette que nous, après, on Ouais. fera plus précisément après, ou De le toute façon, thanatos. la toilette est obligatoire. Soit vous payez un soin, soit une toilette. Mais vous êtes obligé, je crois, hein, de payer un des deux. Alors, pas forcément, des Ah fois, ouais? ben, le cas reconstitué, hein, malheureusement, le puzzle, Ouais, la c'est toilette, ouais, c'est souvent des chaud. mises en bière immédiates. Hein. Ouais, oui, d'accord, C'est oui. De tu viens, tu récupères, tu fermes le toute cercueil. façon, en vrai, tu veux l'embaumer, ça coule partout les. Ben, Ouais, bon, bref, des fois, pardon. c'est malheureux, ça arrive. Hein. Ouais. Et Non, oui. non, 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 je disais cimetière, tout ça, pour les gens. Non, je veux pas me faire enterrer, je préfère une crémation. Voilà. Mais la crémation pollue plus que l'enterrement. Voilà. Oui. Et il faut C'est pas évi ouais, et il faut éviter de faire le soin. Je suis désolé pour les thanatopracteurs. Je sais qu'ils gagnent plus d'argent comme ça, mais c'est vrai que se faire embaumer, ça pollue énormément puisque les liquides qu'on met dans le corps vont dans la terre ou partent en fumée si on est en crémation. Et ça pollue énormément la planète. Voilà. C'est clair, hein. Si c'est fait pour retenir un corps en décomposition, ben on sait très bien ce que ça fait sur la nature. On est conscient, Exactement. malheureusement. Mais pas le choix. Alors, il existe d'autres moyens de détruire son Conserver. corps, mais pour l'instant, en France, on n'a pas le droit à ces moyens-là. Je crois qu'au Canada, ils gèlent ton corps et te mettent sur une plaque vibrante jusqu'à que tu te désagrèges en petits morceaux. C'est ça. Ça existe. Et c'est plus naturel, on va dire. Mais en France, ce n'est pas validé. Et il y a aussi détruire le corps à grosse pression d'eau. On n'a toujours pas le droit en France, je crois, de partir comme ça. Je crois. Oui, t'as par pression d'eau, t'as le système d'humusation aussi, Oui, ou pardon. pour où tu sers pour faire L'engrais. de l'engrais, ouais. Ça, c'est cool aussi, et ça, c'est complètement, pour le coup, écolo, quoi. Ah, c'est alors oui, c'est écolo, mais on se rend pas compte de la logistique. Parce que ne serait-ce que pour un C'est corps, cher. c'est des tonnes de terre, Ouais. de compost. Donc faut le stocker aussi, donc faut de la place, et ainsi de suite. C'est tout un système qui se met en place après. Est-ce que tu as déjà fait des états de décomposition avancés? Avec les fluides qui coulent. Il y a des Ah ouais. détails, il y a des détails. Ah, tombé avec des détails. Ouais. Alors, mais bouge pas. Allez, j'ai un ami qui cherchait du boulot à l'époque. Ouais. Du coup, je lui dis, ben, nous, on embauche. Si tu veux, viens bosser avec nous. Même si ça dure pas longtemps, ça fera toujours ça. Il embauche, mais un gars sérieux, voilà, il tient bien. Et là, on est appelé. Bah, je le prends en binôme sur mon astreinte. J'étais d'astreinte. Et on est OK. appelé sur une réquisition, justement. OK. Pleine canicule l'été dernier. Le corps, ça faisait donc dans une vieille maison charentaise, donc mur épais, mais une fois que ça chauffe, ça chauffe. Ouais. Et plus de d'un mois et demi, toute seule, à se décomposer dans sa maison. Un mois et demi avec l'été en plus. Voilà. Donc là, tu dis merci les murs épais parce que ça aurait pu être bien pire. Hein, ça a maintenu un petit peu. Mais voilà, tu rentres, tu fais ben, mon collègue qui venait d'arriver, mon petit nouveau. Mais il est où le corps? Ben, tiens, regarde, il est juste là. Et si vous voyez, c'était de la tomette au sol, comme dans les fermes. Donc orangé, marronâtre. Vous voyez la couleur? Vous la visualisez? Eh ben. Donc, bah, il est où le corps? Et là, je me retourne, je regarde mon collègue, je lui tape sur l'épaule, je fais, bah, tu vois là le pull moutarde? Ouais, bah, il doit être en dessous en fait. Et c'était que de l'eau, c'était une mare bah, orange marronâtre, comme les tomates, et camouflage. Et vous aviez même pas de mouche alors du coup. Le corps Ah, bah, très peu était... de mouches, très Ouais. très peu de mouches. Ah putain, c'est ouf. Et ouais.
Des fois, la nature, c'est bien fait, hein, c'est disparition. Hein. Ouais, certains Gérard corps comme quoi, hein. Gérard Majax, ouais. Gérard Ajax. Ajax. Ouais, Alors. voilà, c'est là. Bah, oui, là, t'appelles Gérard. Là, c'est son frère, ouais, qui Ouais, c'est s'appelle Gérard ça, ouais. Ajax. Certains crématoriums ne peuvent pas accueillir les corps trop imposants, nous dit Koubiak, et utilisent le four crématoire des zoos. C'est vrai ça? Alors, je ne sais pas s'ils utilisent le four crématoire des zoos. C'est une bonne question à se renseigner. Mais je sais que oui, un crématorium peut refuser un corps parce qu'il est trop massif. Ou alors, faut qu'il soit équipé du four crématoire. Quoi. Nous, on ne XXL. peut pas. Par exemple, là où je travaille, on ne peut pas. Aux États-Unis, ils doivent l'avoir. Ils doivent Oui, avoir le truc. c'est modèle de base. Ouais, ça doit être le truc de base. Ouais. Je crois que ils proposent même pas nos modèles. C'est trop petit joueur. Non, non, trop petit jeu. Et quand j'ai vu les prix des cercueils pour obèses, c'est un truc. Oh là là, il vaut mieux faire un régime avant, hein. Si tu veux pas Oui, payer trop ou cher. d'attendre un mois et demi, du coup, et puis il reste plus grand-chose après. C'est Donc, ça, du c'est coup, ça. ça a fondu. Bon, ben, Étant français, on ne peut pas avoir du bio naturel, enfin sans polluer, ça veut dire. Je comprends pas trop la question, Ikuro, mais en tout cas, on peut pas se mettre le liquide, en tout cas, qu'il y a à l'intérieur du corps pour conserver, n'est clairement pas naturel et il n'existe pas en version bio ou quoi que ce soit. non. C'est vraiment un liquide qui pollue énormément. C'est fou la réaction du liquide, il faut le voir. Hein. Moi j'ai vu une personne âgée qui était décédée dans la souffrance, donc elle avait vraiment les doigts crispés. Vraiment, elle est morte, elle s'est rigidifiée en hurlant. Voilà, ça c'était Ah ouais, mon d'accord. premier corps. Et c'est dingue parce que à partir du moment où la personne injecte donc ce liquide dans ses veines, les doigts se détendent, la bouche se relâche, c'est hallucinant comme ça rend à nouveau humain. Et c'est pour ça qu'on fait ça, c'est pour que la famille puisse voir une dernière fois mamie sans qu'on ait l'impression qu'elle ait méga souffert en mourant. Mais, d'un autre côté, ça pollue énormément, est-ce que ça vaut le coup? C'est ça la question, quoi. Oui, bah, d'accord, oui. Bah, c'est une bonne question. Après, c'est nous, on travaille plus, et les thanatos aussi travaillent plus À à refaire, utiliser ce produit, bien à sûr. faire une personne qui dort. Hein. Bah, parce que vous aussi, Parce qu'il on peut faut le toujours le dire, faire. on peut le dire, vous faites aussi votre argent sur la présentation du corps, dans Une le. mauvaise présentation, c'est tu choques une famille aussi. Oui, bien sûr. Non, mais bien sûr. Non, 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 mais ça fait partie du métier. Et puis c'est l'habitude en France. Attention, je ne remets pas le système en question. Je dis juste qu'effectivement, si on veut être écologique, il faudrait passer directement à la mise en bière. Sans soin et sans présentation du corps. C'est ça, et là, c'est là la nature reprend ses droits très très rapidement. Hein. Donc, vous auriez pas le temps pour le coup. Les gens ou très peu de gens auraient le temps de se préparer à toutes les phases du deuil. Parce que ça aussi, on l'apprend à les gérer dans notre métier. Donc, du coup, ça C'est pour ça accepte qu'il y cette a manière de présentation du fonctionner. corps, c'est pour ça qu'il y a la Voilà. présentation du corps mort, pour que les gens dans leur tête commencent à s'habituer à l'état de la personne Accepter et à faire ça, le deuil. Première à étape du accepter les deuil. phases du deuil, voilà. Non, je ne connais pas Ask a Mortician. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions ou pas? Alors, beaucoup de questions, en fait. Je croyais qu'on allait lire des trucs, tu vois. Et là, on est 252 et j'ai pas eu le temps de lire aucun truc de mes sincères condoléances, qui est un super bouquin que je vous conseille d'ailleurs. Donc, Oui, bon, je l'ai lu aussi. ouais, mais d'ailleurs, je crois que c'est un gars de ta région, hein, je crois. Pas C'est très loin. possible, mais il a eu l'occasion, certaines anecdotes où il cite des pompes funèbres. Ouais. J'ai eu l'occasion de travailler pour les mêmes pompes funèbres et entre lui et moi, on se rend compte qu'il y a beaucoup et peu de choses en même temps qu'on évolue D'accord, ok. dans des manières de faire. Et enfin, moi, je m'y repère très vite dans tout ce qu'il a raconté, toutes ces anecdotes. Hein. Ouais, bah oui, bah bien sûr. Attends, il y a quelqu'un qui. Attends, je lisais une question en même temps. D'ailleurs, comment ça marche parce qu'il n'y a plus de pompe? Comment le liquide passe dans toutes les veines? Bah si, il y a une pompe. Si, C'est une pompe, hein? C'est une petite pompe qui peut servir aussi pour faire de l'aérographe. C'est le même truc. Et c'est le même. voilà, et ça projette, ça pousse le sang et ça met le liquide dans la veine de la personne. Voilà. Voilà. Est-ce que notre invité croit au paradis et à l'enfer? Alors là, on s'écarte un petit peu quand même
du sujet, parce que là, nous, on est dans le... comment dire? On est dans le dur, on est dans la réalité, c'est-à-dire le corps mort, le cœur, le corps mort meurt, pardon, le corps meurt, on le met en terre, on le brûle, voilà. Effectivement, on ne peut pas. En France, il y a une dimension partout dans le monde. Quand quelqu'un meurt, il y a une dimension religieuse. Effectivement, toi, tu dois dû avoir des tonnes de religions différentes passées sous tes yeux. Ah oui, j'en ai fait quelques-unes, hein, du christianisme, orthodoxe, protestant. D'ailleurs, vous êtes obligé de là, par contre, d'avoir un stage pour pouvoir gérer les trucs qu'on peut faire et qu'on peut pas faire dans chaque religion. C'est ça, mais quand tu es porteur-chauffeur, ça fait partie de la formation des 16 heures. Ah, ça c'est hyper intéressant, ça. Ouais, ça, C'est d'accord. survolé, là j'ai le papier à côté de moi, hein, du coup l'étais Préparé. sorti. Pour si on me posait des questions justement sur certaines religions, voir si toutes les mémoriser. Bah, par exemple, t'as pas le droit de faire quoi Alors, ben, si on parle des crémations, admettons, restons dans le thème des crémations, tu Ouais. as plusieurs céréales, donc plusieurs religions qui le refusent. Ok. Donc notamment la musulmane et israélite, et les Donc, orthodoxes. en gros, quand tu vois arriver un cercueil, mais bon, de toute façon, tu connais pas la religion de la personne. Donc tu Non, peux mais tu le pas. sais quand tu le prépares. Si les, et Ah oui. encore, si les personnes ont choisi un emblème, Oui, elles ont mais choisi si la la croix. famille, même si elle est orthodoxe, qu'elle veut que la personne soit allée au crématorium, c'est juste que tu reposes la question deux fois. Tu dis juste, Mais c'est vous ça, êtes quand sûr? Vous vous êtes êtes sûr sûr? que Ouais. c'était, voilà, vous êtes, même si on en vient à parler dans la discussion, vous êtes orthodoxe, mais vous voulez se faire crématiser quand même. Ah Ok. oui, il était de confession orthodoxe, mais il n'était pas pratiquant, donc il y croit. Ok. Après, du Ok. moment que c'est les dernières volontés du défunt, nous, on ne peut pas aller outre. Même au niveau religion, si c'est le choix du défunt, la religion, pour nous, aux pompes funèbres, n'a plus aucune. On est neutre. Bien On sûr. n'occupe pas. Ok. Donc, si c'est les volontés du défunt, on procède. Bah, je vois que quelqu'un me dit bravo pour l'émission, merci à vous d'être aussi nombreux. Bah, abonnez-vous, hein, si vous vous abonnez. Maintenant, j'ai un décor, hein, on va le rentabiliser. Je vais être sur Twitch toutes les semaines, ça c'est sûr. Je vais streamer et tous les dimanches, je vais essayer de parler de la mort. Donc, je reprends le fil des questions des gens. Mais bon, toi. Tu as une confession. Bon, la religion, c'est autre chose. Tu as le droit de pas vouloir en parler. Mais toi, tu es croyant, pas croyant? Comme ça? Non, du tout. Du tout. Tu Du tout, je penses. respecte toutes les religions, leurs Bien sûr, pensées, bien sûr. ça, il n'y a aucun souci. Même moi, je m'y intéresse, hein. J'ai lu plusieurs livres religieux pour me faire une idée, mais non, il n'y en a aucun actuel qui me vient. D'accord. Et. Tu connais des gens du métier qui ont revu leurs croyances à cause de ce métier? Alors, pas qui ont revu, mais qui ont évolué dans leur manière de penser, ou justement qui, de leur confession initiale, s'ils allaient sur une cérémonie d'une autre confession, bah, qui faisaient un blocage. Ah, Ils ne parce voulaient pas que ah oui, parce que trop faire un tabou. croyants, trop croyants dans leur truc, et donc ils ont Croyant du dans mal leur à théorie. accepter. Et les autres croyances. Voilà, du mal à accepter, ou alors de toucher les objets religieux de peur. Ah Voilà. ouais. Ah, j'avais pas pensé à ça, tu vois. Ah, c'est hyper Je peux pas vous intéressant. dire. Ah ouais, c'est Mais hyper intéressant, ouais. Ouais. Bon, moi non plus, j'ai vraiment du mal à croire. Donc en fait, je m'en bats les couilles, je peux toucher n'importe quel truc, je m'en fous. Vraiment, quand j'ai vu des corps morts, je me suis dit, bon, bah, ils sont morts. J'ai pas pensé aux fantômes ou quoi que ce soit. Ça, pour moi, oui, et puis ça ça me. encore, là, Ouais, c'est les autre chose. fantômes c'est autre chose. L'âme c'est autre chose encore. Ouais. Voilà, et puis même s'il y avait des fantômes, on est là pour leur bien, donc c'est rien. Alors, attends, il y a Milly qui nous dit un truc. Moi, je comprends pas les gens qui vont voir les morts avant l'enterrement. Même bien préparé, quel est l'intérêt? C'est pas cette image que l'on veut garder de la personne, non. Moi, je n'ai pas vu de corps en prépa. Ça doit être trop différent d'avant et ça me fait peur. Alors ça dépend, il y a certains qui disent qu'ils ont vraiment l'impression qu'ils dorment et qu'ils sont mieux. Moi j'avais l'impression que des fois ça donnait l'impression d'être rajeuni. Les personnes ont rajeuni. Parce que vu que les personnes sont le liquide et qu'ils sont posés sur le sol, les traits sont étirés. Et donc ça leur fait une sorte de comment on appelle ça, de chirurgie esthétique voilà, Gravité, naturelle. c'est Ouais, la l'histoire des gens. gravité, ouais c'est ça. Il y a un lifting de ouf. Et c'est vrai que les personnes paraissent plus jeunes. Et je le Oui, disais, ça, et puis le produit aussi. Le produit utilisé c'est au niveau de la ça. peau, c'est affolant.
Ça fait un. Moi, j'ai vu un mec qui avait une rigidité. Comment ça s'appelle déjà quand t'as le corps qui est à moitié blanc et à moitié rouge? J'ai oublié le nom. Ah oui, bah c'est ah oui la rigidité qu'il y avait Ouais, avec la c'est. corpus. Oui, c'est la gravité en fait. Je sais plus le terme, mais c'est la gravité du sang qui est passée de la couche supérieure à la couche inférieure. Exactement, quand la personne Oh, meurt dans une sur les os, position. on a tout le dos qui est rouge, Voilà, c'est rouge violet, ça. alors que de face, tu le vois blanc, Blanc. grisâtre. Complètement blanc. En fait, ouais, moi j'ai eu le cas de quelqu'un. C'est fou parce que le mec me ressemblait. C'est là où j'ai le plus paniqué. Mais le gars vraiment était tombé sur le sol. Et donc son sang, vu que la pompe du cœur ne fonctionne plus, le sang reste dans le fond contre le sol. Et donc il était bigou le mec. Il était rouge d'un côté et blanc de l'autre. Et Ah mais... à partir du moment où tu mets le liquide, c'est ouf parce que vraiment le teint devient rosé en quelques secondes. En C'est quelques ça. secondes. Ouais. C'est ça. Est-ce que tu as déjà assisté à des moments surprenants en cérémonie? Genre une fille qui crache sur son père mort. Ou autre chose. Des choses surprenantes, des pertes de futales pendant le jet immortel. Qu'est-ce qu'il y a des malaises, mais ça, c'est pas ce qu'il y a. Oui, forcément, ouais. Chose drôle. Ah, on t'a perdu, je crois. Non, non, je suis toujours là, c'est que je D'accord, cherche tu réfléchis. des choses drôles, oui, à part ben, oui, une perte de pantalon une fois sur une cérémonie. Mais une paire de pantalons Une personne de... de l'Assemblée, pas de l'équipe Ah des pompes funèbres. putain, la gêne, la puissance Oui, 10 000. malheureusement, ben, c'est ça. Un papy enterré mamie, il va jeter ses immortels et ses pétales, sauf que ben, au moment où il jette, sa ceinture n'est pas, donc son pantalon. Tu fais ça dans un film, les gens ils te croient pas. Ils te disent, ah, ça, vous avez poussé le potard trop loin, c'est pas drôle, c'est C'est ça, absurde. c'est le sketch pour le truc. Ben non, malheureusement, ça arrive. Ou des gens qui tombent aussi. Voilà, de pris dans leur lancée, justement, du jet d'immortel, ils partent en avant. Donc toi, tu les rattrapes. Voilà, des choses comme ça. Des choses surprenantes, oui. Voilà, si on parle de choses surprenantes. Ah, Tu t'attends putain. pas à ce que le monsieur, il se jette dans le trou. Pas prévu. Ah putain. Des musiques qui marchent pas ou qui bug, oui. Des Moi, moments de malaise, je. tu gères. C'est con, je me souviens plus, mais elle m'avait raconté, ma Thanato, une histoire folle. Mais j'ai pas tout à fait. Je crois que c'est le final, c'est ça. Ils avaient eu un monsieur qui s'était suicidé, il s'était pendu. Et il n'avait pas laissé de mots. Elle est chargée de faire la toilette du monsieur, tout ça. Et en fait, les gens arrivent habillés. Et on donne des habits, les habits avec lesquels on veut voir enterrer la personne. Et donc, la femme du monsieur avait donné un costard, sûrement, pour l'enterrer de manière classe, voilà. Et donc, elle déshabille le monsieur qui s'est pendu pour lui mettre le costume, pour l'habiller. Et la police n'avait pas fait les poches du monsieur, la dame n'avait pas fait les poches du monsieur, et elle trouve dans la poche un mot. Et le mot, je crois que c'était au revoir salope. Et elle a décidé de ne pas donner le mot. C'est Oui, là, je pense. là c'est terrible, c'est que c'est à toi de décider de comment vont voir les gens. Le corps, enfin, tu vois, est-ce que les gens vont se dire, ah, il était vraiment gentil, mais pourquoi s'est-il pendu? Et tandis que le au revoir salope, là, tout de suite, ça met un contexte, tu vois. Ça te donne un alibi. Ouais, il y a une histoire que m'a raconté un policier. Une histoire que j'aimerais mettre dans un bouquin si j'arrive à le faire, mais la police ne veut pas me prendre en stage. Je n'arrive pas à être pris en stage par police secours. Je rêve de ça. J'ai envoyé des lettres à Paris, à des trucs, à des commissaires, machin, tout ça. Ils me répondent pas, c'est hyper compliqué. Donc voilà. Mais en tout cas, il y a un monsieur qui est mort. Donc un monsieur marié, un peu vieux, enfin un peu vieux, à la retraite, qui allait, sans le dire à sa femme, faire ses petites affaires dans une camionnette. Pas très loin de la maison, où il y avait une dame à l'intérieur qui faisait payer à l'heure la camionnette, si vous voyez ce que je veux dire. Le monsieur meurt dans la dame. D'accord?
Elle, la dame, est un peu choquée. Elle appelle la police. La police vient. Pompiers et police. Et là, ils sont hyper emmerdés. Parce que la bagnole du monsieur est garée à côté, tout ça. Ils se rendent compte qu'il est marié. Et donc, la police et les pompiers décident de mettre le monsieur dans sa voiture et d'appeler la dame et de lui dire qu'il a fait une crise cardiaque au volant. Moi, je trouve quand même que c'est vraiment transformer complètement la réalité à ce niveau-là. Et peut-être que ça aurait aidé dans le chagrin de la dame. Bon, peut-être que ça l'aurait encore plus dégoûté. Mais en tout cas, à mon avis, quand tu t'apprends que ton mari faisait ce genre de choses, t'as moins envie de payer une pierre tombale, quoi. Voilà. Bah, j'ai moins bien, c'est Ouais. sûr. A-t-il déjà eu des familles à problème? Genre, certains veulent une crémation et d'autres un enterrement. Ah oui, des engueulades sur la manière de faire partir la personne. T'as eu ça? Alors, des engueulades sur comment gérer la cérémonie, oui, j'ai déjà eu. Et pendant les cérémonies, j'ai déjà eu aussi. Attends, pendant les cérémonies, les gens qui Et oui, pendant s'entre-déchirent? les cérémonies, des gens règlent leur compte. Oui, ça, malheureusement. Mais genre, souvent, c'est quoi? C'est l'argent? Bien souvent, c'est l'argent ou des actions passées des membres de la famille. Ouais, Je laisse but. pas, un peu comme je vais prendre l'exemple de la personne dans le chat qui a pas voulu rentrer pour la cérémonie et que sa famille lui en veut. Voilà, pour des choses comme ça. Ah oui, C'est genre, pas et l'autre, il est dehors, et tout voilà. ça. Et Ouais, du coup, ça s'embrouille et puis bah, ça en. oui, parce que quand tu arrives pas à gérer ton chagrin, bah, Eh forcément, t'es en colère. mais surtout que c'est un sentiment naturel du deuil. La Ouais. colère, la tristesse, tout ça, c'est un sentiment naturel, hein. Il y a des gens, on va leur parler, ils sont très aimables, tout ça. Mais en phase de deuil ou à un moment bien précis de la cérémonie, c'est pas la peine de leur adresser la parole. Ouais. C'est pas le moment et c'est pas la peine. Ouais. On le voit de toute façon, tout ça, ça se. Bah, c'est le dernier moment pour régler les comptes, quoi. Ouais, et ça arrive. Et ça arrive, Nous, on bien est déjà sûr. intervenu à devoir Des gens se sortir une battent? lame de la salle parce que ça allait se mettre sur la tronche. Les petits enfants l'avaient chopé, l'avaient dégagé de la salle de célébration, et puis nous, on a dû gérer derrière pour pas que ça s'envenime. C'est rare, mais ça arrive. Ah, porteur et garde du corps. Oui, voilà. Ouais. Ben là, j'ai lié les pompes funèbres et la sécurité. Oui, c'est vrai, c'est vrai. T'as encore ton arme aussi, peut-être, non? Tu Non. peux gérer? Non, bon, ok. étant thanato, est-ce que tu t'occupes de ta famille, amis, etc. Alors ça, moi j'ai eu le cas avec dans mon stage. La dame avait demandé à s'occuper de sa grand-mère. Elle voulait pas qu'une autre thanato, elle aimait profondément sa grand-mère. Et elle ne voulait pas qu'un autre thanato fasse le travail sur sa grand-mère. Parce que certains thanatos, des fois, font ça un peu à la va-vite, on va dire, et puis traitent pas forcément le corps. Moi, la personne avec qui j'ai travaillé était quelqu'un d'extrêmement respectueux, et aimait son travail, et aimait les gens qu'elle traitait. Et elle a décidé de faire elle-même sa grand-mère. Après, j'ose même pas imaginer la charge. La charge mentale de. Déjà, tu vois la personne nue, tu lui fais sa toilette, tu l'habilles, et si en plus tu dois faire le travail de soin, c'est-à-dire ouvrir une partie de son corps, parce qu'il faut quand même savoir que c'est une sorte d'acte chirurgical Ah ben c'est un acte chirurgical, de faire de la il y a thanato. une incision, il y a une. Si, si, oui. Il y a une incision, on rentre une canule à l'intérieur de la veine, on pousse le sang, on récupère le sang, c'est-à-dire qu'après, tu repars avec des bidons de sang de ta grand-mère. C'est quand même un acte. Et puis, il y a aussi l'acte le plus barbare, je pense, c'est aller aspirer le sang qui reste dans les organes en faisant un trou dans le corps, excusez-moi, hein, voilà. Et t'as une sorte de pipette et tu vas aspirer en rentrant dans les trucs et tu termines par planter ça dans le cœur de la personne pour aspirer ce qui reste du sang. Puisque quand tu mets une pompe, la pompe va pousser le sang, et le sang, il va où? Eh ben, il va gorger le cœur. Et quand le cœur est gorgé de sang, eh ben là, tu vas aller aspirer le sang qui reste. Désolé pour les gens qui vomissent. Donc voilà, et donc faire ça à sa grand-mère. Il faut avoir le courage.
Ouais. Mais je pense que d'un autre côté, quand t'es thanato et que tu fais 6 personnes par jour pendant 6 ans, t'es un peu blindé, je pense quand même. Il y a un Ouais, truc. c'est malheureux, mais tu déshumanises. Bah, complètement, complètement. T'as pas le choix, Moi, parce que honnêtement, j'ai commencé la journée. Au premier mort, je me tenais loin quand même. Je regardais. Deuxième mort, je me suis rapproché. Troisième mort, la jambe, elle est tombée, je l'ai rattrapée. Et je lui ai dit, bah, je vais t'aider à enlever le pantalon. Elle m'a dit, ok, mais mets des gants. Et le sixième, je lui mettais un slip et je lui mettais des chaussettes. Hein. Donc, déjà, en six corps, tu t'habitues. Déjà, en une journée. Et ouais. parce que j'ai eu des cas classiques, on va dire. Mais bon, si. Voilà, ça va vite, quoi. Ça va vite. Attends, alors, il y a plein de gens qui posent des questions, c'est ouf. Monsieur Salami demande pourquoi retirer le sang des défunts pour l'odeur? Alors, on retire le sang des défunts pour mettre un liquide qui va permettre au corps de ne pas se dégrader pendant plus longtemps. C'est-à-dire que si tu ne mets pas si tu ne fais pas le soin, le corps se dégrade extrêmement rapidement, surtout si c'est l'été ou la manière dont est mort la personne, etc., etc., etc. Donc, si tu veux faire une présentation du corps, tu peux pas, ça va puer, la personne va être verte. Enfin, et puis c'est pas tout. On coule la bouche aussi parce qu'il peut y avoir des reflux. Donc en fait, on prépare la personne à être présentée. Et puis si l'enterrement n'a pas lieu tout de suite, s'il faut attendre 4 jours, le corps va être dans un état lamentable. Donc on fait ça pour pouvoir garder la personne visible. Voilà. C'est ça? Il y a autre chose à dire, peut-être? Joker? Alors, Jamel Binous nous dit, est-ce qu'il est impossible ou interdit de réutiliser le sang des défunts pour des transfusions sanguines si ce sang est sain? Eh ben alors ça, c'est une bonne question. Je ne sais pas y répondre. La bonne question, ouais, ça faudrait plus se renseigner parce que je pense que ça doit faire partie de la catégorie du don à la science. Ouais. Et si la personne n'en a pas fait le choix, je pense pas que ça puisse être autorisé. Et puis surtout, un sang non oxygéné, tout ça, au bout d'un moment, je pense pas qu'il Bah soit assez oui. Mais ouais, il faudrait peut-être retirer le en sang bonne. juste avant que la personne meure. Oui, c'est L'horreur. le dernier battement, juste après le dernier battement, tu plantes le trocar et puis hop là. Ouais. Oui, c'est le trocar, le trocar, l'appareil qui permet d'aspirer le sang. Francky, qui est dans la médecine, nous répond. Le sang devient très vite non viable, souvent même avant le décès, car les cellules lisent. Lysent. Je ne connaissais pas ce mot. Merci. Donc ça veut dire que oui, les cellules sont en train de mourir, je pense, et donc le sang n'est pas utilisable. Ouais. Parce que sinon, moi j'en ai vu des bidons de sang. Hein. Après une journée avec 6 corps. On a 7-8 litres de sang dans les jambes, je crois, un truc comme ça, 6-7 litres. Putain, j'en ai porté des bidons de sang. Si on pouvait tout refiler, ça serait pratique. Hein. Et les cellules qui lisent, ça veut dire qu'elles éclatent. D'accord, merci beaucoup. À Salmette qui pose une question. Mais du coup, ça veut dire qu'il est possible de garder un corps indéfiniment visible. Alors, non, pas avec ce liquide-là, en tout cas. Ça ralentit le processus, mais ça ne l'arrête pas. La personne continue à se décomposer. C'est juste qu'elle va mettre plus longtemps à se décomposer. Après, est-ce qu'il y a des liquides qui permettent de momifier? Je suppose que, vu que les Égyptiens arrivaient à faire quelque chose, on doit savoir le faire, je suppose. Oh Mais... bah, médicalement, oui, ça doit exister si eux, ils le faisaient. Mais après, de Peut-être qu'il faut stopper. mettre dans le formol complètement la personne, peut-être, je Oui, ne sais voilà, pas. en capsule. Ouais, en capsule, ouais. Et encore. Ah, les reflux avec les fameux râles. Un pote qui bossait dans les pompes funèbres me disait qu'au début c'était terrifiant de les entendre râler quand le Ah, reflux passait par les cordes vocales. Ah bah oui, le chant des morts. Eh ouais. ouais, le dernier soupir, ouais. Ouais, c'est ouf ça. La personne est morte et pourtant on entend. Et ça, c'est ce qu'on utilise dans Walking Dead pour faire les bruits des zombies un peu. Hein. Ce truc, ce râle. Ouais. Ce gasp, ce râle, oui, ça peut, c'est un peu ça. Ça surprend. Ce que dit Black Ened, Lénine est toujours Lénine, j'ai envie de dire. Il ne s'est pas décomposé. Mais je pense que c'est un truc avec tout le temps du froid sur l'électricité et tout ça, quoi. Oui, t'as un truc, à mon avis, le corps doit être maintenu à une température très fraîche et surtout, je pense que il doit être sous vide.
Ouais, ici. Avoir d'air, et du coup, si. Non, mais c'est malheureux, mais un cercueil sous vide. Du coup, si t'as plus d'air, ben, Bah oui, t'as aucune bactérie, t'as bien rien qui sûr. peut tenir, donc t'as aucune mobilité, t'arrêtes le temps complet. Mais Ouais. par contre, le jour où ils vont faire Ouvrir, rentrer. vers Ah paf! ben là, c'est de la poussière qui tombe d'un Ah coup. ouais, direct, ouais. Putain, ça c'est un bon poisson d'avril si vous êtes en Russie. Un coup de perceuse dans le cercueil. Les litres de sang sont brûlés dans des grands crématoriums dans les hôpitaux. Il y Oui. a, y a une. Comme vous voyez les machines qui viennent chercher le lait chez les paysans, bah, il y a un camion qui fait le tour de tous les thanatos. Il récupère des gros bidons de sang, plein, plein, plein. Il remplit le coffre et il va à l'hôpital et tout est brûlé. Et ça, c'est en fin de semaine. Donc ça veut dire qu'eux, ils gardent des bidons de sang pendant toute la semaine au boulot, au taf. Voilà. C'est ça. Que ce soit ouais, dans des hôpitaux ou même dans le crématorium, nous on en fait de temps en temps. Ah, vous le faites aussi. D'accord, je savais pas. On a les ben ça et ce qu'on appelle les déchets anatomiques. Ah, oui, bien sûr. C'est Les trucs qui voilà, restent. Ouais. les restes, ouais, les jambes, les bras. Bonne question de Monsieur Salami. Ce métier est-il complètement privé d'ailleurs, ou il y a de la fonction publique? Non, c'est que privé, les pompes funèbres. Ouais, c'est que privé. Oui, ce sont des organismes privés qui travaillent pour des services ben, publics. Hein. Et Les syndicats. d'ailleurs, un des plus grands organismes appartient au frère de Édouard Leclerc. Éclair, enterrement éclair, je crois que c'est ça. Ouais, Roque Éclair, ouais. Roque éclair, Roque éclair, éclair, Leclerc, Édouard Leclerc. Voilà. Peut-on faire le souhait de se faire enterrer au carré des indigents, même sans être indigent? Pas de cérémonie, pas de tombe bling-bling, un truc hyper simple. Bah, je Ben ça, pense. t'es pas... Bah oui, tout à fait. T'es même pas obligé d'aller dans le carré des indigents Ouais, pour ça. tu peux Du moment que demander un truc de base, quoi. Mais je crois qu'il y a des trucs qu'on n'a pas le droit en France. Déjà, tu peux pas te faire enterrer sans cercueil. C'est complètement interdit. ça c'est interdit. Ce qui est pas terrible, parce que finalement, quand t'es de religion musulmane, dans ta religion, normalement, c'est sans cercueil. Donc, Oui. ils n'ont pas le droit en France, ce qui est un petit peu aller contre la religion de la personne. Et puis surtout, on t'oblige à acheter un cercueil qui souvent coûte la peau de ton cul décédé, en général. Eh ben malheureusement oui c'est ça. Si tu suis le religieux, normalement on n'est pas obligé de. Enfin on n'est pas censé le vendre. Ouais. Parce qu'ils n'en ont pas l'utilité. Mais malheureusement, ça après c'est du politique et du législatif, c'est que c'est dans la loi, quoi, que c'est obligatoire. Ouais. Même pour les urnes, faut que ce soit identifié. Enfin, c'est très procédurier. La France est très procédurière pour ça. Et malheureusement, on peut pas aller outre. Bien On peut pas sûr, aller outre. bien sûr. Alors, attendez, attendez. J'ai une ex-collègue vendeuse à la Fnac et qui est devenue vendeuse en pompes funèbres. Et ça lui va mieux que la Fnac. Bon, très bien. Est-il possible de se faire enterrer dans un cercueil en carton? Ça existe. Ça existe, ça, oui, mais Les je modèles sais pas si en existent. France, si en France c'est validé le cercueil en carton. Ben nous, on a le droit de les prendre en crémation, donc j'en déduis que l'inhumation doit être autorisée. Ok. C'est vrai que c'est pas mal ça, niveau geste écolo, c'est pas mal. Niveau geste écolo pour l'inhumation, c'est très très bien, c'est vrai. Ouais. Après, pour tout ce qui est crémation, malheureusement, c'est l'inverse. Ah bon? Et oui, la crémation, en fait, on se sert entre guillemets, hein, c'est malheureux, mais du bois du cercueil pour lancer la combustion du corps. Un cercueil en carton, la combustion se fait très rapidement, vu que c'est que du carton. Ok. Donc ça n'aide pas la combustion du corps, et la combustion du corps est obligée de se faire du coup à la force du four. Et là, c'est une consommation énorme de gaz et autres pour lancer le processus. C'est hyper intéressant. J'avais pas du tout pensé à ça. Et ouais. Donc faut prendre du bon bois qui brûle, quoi, si tu veux te faire Oui du et non, sapin. parce que les cercueils en chaîne, après, c'est l'inverse. C'est trop long à faire brûler, même à 700 ou Il 800 degrés. faut du sapin, Il en quoi. reste toujours voilà, un sapin, un bois tendre. C'est ce qu'il y a de mieux. C'est ce qu'il y a de mieux. Voilà, vous avez votre conseil du jour. Voilà, Voilà, prenez du bois tendre. prenez du bois tendre si vous voulez que pas trop polluer et pas que le four
galère trop. Voilà. C'est des fours, je le rappelle, qui coûtent une fortune. Putain, oui. Ça coûte une fortune, ces fours de crémation. Et ça s'abîme avec le temps. Et il y a souvent des trucs qui cassent un petit peu. Donc c'est vraiment, il faut en prendre soin. Ça coûte très très cher. Ah bah oui, oui, l'entretien, c'est affolant. Même juste pour changer la sole, le briquetage, tout ça, c'est des... Les factures, on veut pas les voir passer, quoi. Mais ah on non, est obligé, il faut l'entretenir. Hein, c'est un outil de travail, hein, quand même. Et puis si ça explose, voilà. T'as pas eu le cas d'un pacemaker. Pacemaker, ouais. Alors moi, non, j'ai eu quand on parlait tout à l'heure des batteries de cigarettes électroniques, j'ai eu l'occasion, ça, mais ça a pas fait de dégâts. C'est juste une explosion dans le four, donc ça a pas causé de dégâts. Mais de pacemaker, j'ai jamais eu l'occasion. Un de mes collègues, oui, mais moi, non. Ouais, je te le souhaite pas. Il y a des gens qui disent est-ce que la crémation au micro-ondes, c'est jouable? C'est long, ça doit être long. Ça doit être long, puis surtout le final doit être sympa, quoi. Oui. C'est genre... Et voilà, voilà, et voilà. Mamie est là, mamie est là, mamie est là, mamie est là. Voilà. Est-ce que là, ça fait longtemps qu'on est avec vous, les amis. Ça fait presque 2 heures là. Est-ce que tu aurais une anecdote, un truc à raconter, un truc un peu rigolo, bien sûr, pour essayer de faire le truc, un truc en tête, un truc rigolo, un truc, je sais pas. Bon, on a déjà eu, moi là, tu m'as eu avec le mort qui se fait enterrer sur la compagnie créole. Voilà, en vrai. Ah ben oui. Après des drôles. Beaucoup de gens qui dansaient, ça peut arriver. Des gens qui dansent ? Ah oui, tout à fait. Autour du corps ? Oui, oui, tu fais toute la cérémonie, tu as une famille, on va dire somme toute classique, avec des morceaux classiques, enfin, un peu gnangnan, si je peux dire, au niveau de la formulation de la cérémonie. Ouais, un truc vraiment, vraiment classique, ouais. Voilà, c'est bateau. Et puis au moment de la musique pour le départ, ben, tout le monde s'est levé, donc moi, quand je fais mes cérémonies, j'invite tout le monde à se lever pour le respect, et en dernier hommage. Et là, tous les gens se sont levés, sont venus entourer le cercueil. J'ai lancé la musique, du coup, pour leur laisser un temps ensemble autour du cercueil avant qu'ils partent. Et là, ils se sont tous mis à danser, qui n'était pas prévu. Non, mais attends, c'était quoi comme musique ? Oh, bah, c'est un peu comme tout à l'heure, hein, de la compagnie créole. C'était des gens des îles, donc automatiquement, c'est pareil, c'est une autre culture. Ah, ouais, d'accord, ok. Ok. Ça amène autre chose. donc c'est venu genre danser un peu la cible et tout ça autour du cercueil, quoi. Ah bah ouais, ça dansait, ça yoyotait, c'était festif, c'était un enterrement festif. Bah, en marque, hein, c'est bien mieux comme ça, voilà. Oui, tout à fait. Ouais. Non, du gospel, tiens, je réagis à Milly, ouais, non, du gospel, j'ai pas eu, mais ça doit être bien, bien intéressant aussi. Ah, ça, le gospel, ouais, ça doit être cool. Bah, il y a Pandé Mai Mai qui demande si t'as déjà vu des vrais danseurs africains qui dansent avec le cercueil, comme on peut voir des images sur internet, ouais. Ah, non. Non, nous, on a essayé avec les collègues, mais on n'a jamais réussi. C'est non, vrai? Cercueil à vide, hein. Cercueil à vide, sur tout le monde. C'est dur, hein. C'est lourd et tout. Ah bah oui, non mais un cercueil, on se rend pas compte, hein, quand on nous voit avec le cercueil sur l'épaule, hein, ou même quand je les vois, les 6 Africains, pacifiés, hein, c'est très très lourd. C'est très très lourd un cercueil, et puis d'autant plus quand il y a le corps dedans. Là. On croirait pas, mais... Salmette, alors je réponds à tes deux questions. C'est le thanatopracteur, le médecin devrait enlever le pacemaker avant d'envoyer au fond au crématoire. Au crématorium, four crématoire, c'est pas tout à fait pareil. Mais souvent, c'est le thanatopracteur qui le fait, parce que le médecin ne pense pas à le faire, etc. Donc souvent, les thanatos font très attention, justement, pour pas que les fours explosent. Et ensuite, ta deuxième question, elle est pour notre invité. Est-ce que allumer le feu de Johnny Hallyday est souvent entendu aux cérémonies ? Eh ben oui. Eh ben oui. Du Johnny, ben voilà, tout à l'heure on demandait les musiques. Céline Dion. Johnny. Ben voilà, on peut rajouter du Johnny, du Allumer le feu. Voilà, ça en fait partie. Ah là, Jess nous dit qu'elle s'est fait draguer pendant une cérémonie à l'église. Oh, c'est vachement le bon moment, quoi. Jess, vu que tu es là,
Est-ce que tu pourrais remplacer Joker la semaine prochaine à 19h30? Est-ce que tu serais dispo pour faire le même live? Si tu as Discord, bien entendu, pour qu'on puisse parler. Voilà. Il y a Evangelis qui nous dit, lorsque j'étais en gendarmerie, j'ai fait appel aux pompes funèbres pour transporter un corps retrouvé dans un congélateur. Vu que ça faisait plusieurs mois, ils ont emmené le congélateur. Bah, ça va plus vite au moins comme ça, c'est fait. Puis au moins, tu sais que la personne, elle va être présentable, quoi. Oui, tout à fait. C'est ça. Ouais. Eh ben écoute, Jess, je suis super content d'avoir une fille en invité la semaine prochaine. Voilà, en tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. On était énormément ce soir, je suis très content. J'adore parler de la mort. Je trouve que c'est qu'il y a des métiers passionnants autour de la mort, qu'il y a plein de choses à dire autour de la mort sans parler de religion. J'espère pouvoir refaire cette émission. En tout cas, en plus, ça m'inspire pour la petite mort. Mais quand est-ce que tu as fait ce stage en Thanato Devi? C'était quelques semaines avant la mort No Life, donc je pense que c'était en 2017. J'ai écrit l'oraison funèbre de No Life lors de mon stage en Thanatopraxie. C'est amusant, non? Joker, merci à toi d'avoir passé tout ce temps avec nous. C'était super intéressant. Eh ben. En tout cas, merci bien, merci bien. Ça me donne envie de refaire un bouquin sur la mort, tu vois. Un grand plaisir, c'était un Voilà. plaisir aussi. Et puis, ben, si à l'occasion tu veux Bah. remettre ça, c'est avec grand plaisir. Hein. Bah On peut écoute, en parler. Du coup, il y a pas mal de choses. Je pense que Millie ou Jess te diront la même chose, mais il y a beaucoup de choses à en dire. mais grave, grave, grave. Mais je pense que je vais changer le logo et je crois que je vais faire le truc rayon avec la mort ou je ne sais quoi parce que je crois qu'on est bien parti. En tout cas, merci à toi. Je te dis ciao. Je vais couper et je vais te rendre ta vie. Quand même, parce Je que t'en là, prie. j'aurais pas cru que ça dure aussi longtemps, je suis désolé. Non, moi non Voilà. plus. Bon, T'inquiète, y a pas de bah. souci. Bon, bah, joke, à bientôt, merci encore, salut. Ben, Et les gens te remercient. Voilà. je vous en prie. Je vous remercie aussi d'avoir pris le temps de venir sur la live nous écouter. Hein, et puis, ben, au plaisir et bonne soirée à tous. Bonne soirée, ciao. Merci d'avoir suivi cette émission. Je vous rappelle que tout ça, c'est grâce à vous. Donc, bah, allez sur Tipeee. Abonnez-vous à YouTube Premium, abonnez-vous sur Twitch. D'ailleurs, dimanche 11 octobre à 19h30, venez écouter le stream en direct sur Twitch de la deuxième émission Bad News, Rions avec la mort. Ça sera dimanche à 19h30. À bientôt, merci à tous. Rendez-vous mardi pour une nouvelle Bad News.